petite vidéo différente que d'habitude. Cette fois-ci, on n'est pas sur directement sur Fortnite, mais c'est lié à Fortnite. De toute façon, ça pourrait intéresser, je pense, beaucoup de monde. Voilà, pour ceux qui suivent souvent les streamers ou les youtubeurs. Bref, vous avez capté, c'est surtout pour les youtubeurs. Plus quand même, parce qu'il y a quand même plus de youtubeurs que vous connaissez peut-être. Bref, du coup, en gros, je vous explique. Vous gagnerez les petites récompenses. Vous avez environ une semaine à partir d'aujourd'hui, du 11 jusqu'au 17 février. Donc, la semaine prochaine, ça va aller assez vite. C'est très simple, vous avez juste à faire des défis. Des défis que je pense que vous rushez tous, quasiment vos défis presque. On va dire dans l'ensemble, vous êtes peut-être 90% des gens qui regardent les vidéos YouTube rush leurs défis en général. Ouais, voilà. Bref, du coup, en gros, les petits potes, le petit truc s'appelle Cœur Sauvage. Il faut juste rejoindre une équipe d'un streamer ou d'une streameuse ou youtubeuse, vous avez capté, du coup, que vous connaissez. Par exemple, là, il y en a trois. Bon, je les connais pas, eux. Mais peut-être que vous, oui. Mais si vous ne trouvez pas votre streamer et tout, vous avez juste à écrire ici. Moi, personnellement, j'ai déjà choisi le mien. Parce que si je suis plus. Parce qu'il rush comme moi les défis. Et il rush aussi les niveaux. Donc, du coup, bah, forcément, j'allais suivre. J'allais mettre quelqu'un qui joue comme moi. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est Little Noir. Voilà. Et le N, pour ceux qui se rappellent. Voilà son pseudo. Il y a quand même beaucoup de gens qui a rejoint. En gros, vous avez du coup les 20 000 qui sont là. Dès qu'il arrive à 20 000, vous ne pouvez plus le rejoindre malheureusement. Il reste d'autres streamers, etc. que vous connaissez sûrement aussi. Moi, personnellement, c'est lui que je vais choisir parce que, voilà, j'ai l'habitude de le suivre parce que je sais qu'il fait le même genre de vidéos que moi. Et bizarrement, on a quasiment commencé en même temps les vidéos de boutique. J'ai commencé une semaine avant lui. Donc, c'est assez drôle, du coup, au final. Mais du coup, voilà. Donc, une fois qu'on a rejoint cette équipe, vous ne pouvez plus charger rien. Du coup, vous pouvez gagner des points. Donc, je vous explique en gros, les défis que vous aurez tous les jours les défis. Qui permettra du coup de pouvoir avoir des points de plus en plus au créateur que vous avez choisi en question ou à la créatrice. Et quand vous avez fait maximum de points, bah au bout d'un moment, vous avez plus vous montez des points, plus vous aurez des récompenses en gros. Donc franchement, c'est cadeau pour vous et en même temps, voilà, vous soutenez la personne que vous soutenez de base, que ce soit mentalement ou par le code créateur de la boutique, tout dépend comment vous le soutenez, vous avez compris. Du coup, vous serez retiré de votre équipe si vous n'êtes pas actif. Moi, je suis très actif, vous connaissez bien, pour ceux qui me suivent ma chaîne depuis un moment, je rush les défis comme jamais. Je suis au niveau 205, je rush les défis, j'ai envie de vous dire. J'achète pas le pass de combat en entier, je vois pas l'utilité, puisque de toute façon, je rush les défis quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, je sais que j'aurai tout le pass de combat en entier, vraiment en entier quoi. Mon niveau maximal que j'ai fait, c'est le niveau 416, et encore, c'est parce qu'à la fin, je jouais plus trop parce que j'avais tout fini. C'était là, je crois, il y a à peu près un an. J'avais tellement rushé comme jamais. Non mais bref, donc du coup voilà. Donc vous faites rejoindre l'équipe si vous êtes sûr de choisir cette équipe en question. Vous faites rejoindre. Et du coup vous avez ceci qui apparaît. Ça ce sont les points, les défis que vous avez tous les jours, etc. Vous avez étape 1, recevez chaque jour pour vérifier les nouveaux défis de votre équipe et de votre créateur. Donc, tous les jours vous aurez des défis du coup à accomplir. Que ce soit en mode solo, session, en squad, vous avez capté. Squad, session, c'est pareil, vous avez capté. Vous pouvez faire, soit, je sais pas, moi, des kills, peut-être des top 1, j'ai vu aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez jouer en Fortnite Point. Normalement, demain, il n'y aura plus le Fortnite Point Sniper, pour ceux qui s'inquiètent de ça. Logiquement, j'ai vu qu'on l'aura peut-être plus, donc on verra bien. Donc ça, après, l'étape numéro 2, c'est lancer Fortnite et accomplir les défis pour gagner des points de l'équipe que vous avez choisi. Je pense que vous avez compris. L'étape 3, suivez la progression de votre équipe dans le classement et essayez d'atteindre la première place. Comme je vous disais tout à l'heure, plus que votre équipe que vous avez choisi a plus de points, forcément, bah vous gagnez des points. Et voici les récompenses, les 5 que vous pouvez débloquer. Bien sûr, si vous êtes première place, vous avez toutes les récompenses. Et la meilleure, c'est quand même le revêtement et la pioche, on est d'accord. Du coup, les récompenses que vous pouvez débloquer, comme d'habitude, il y a toujours une petite bannière, tout ça, ça vous connaissez les bannières, mais ça fait plaisir, une petite bannière, parce que du coup, on sait qu'elle sortira jamais dans la boutique. Donc c'est un item unique et rare au final, parce que très peu de joueurs vont forcément l'avoir. Tout le monde peut pas forcément l'avoir, les gars. Donc la bannière combat en équipe de ça. Cœur sauvage, je trouve qu'il est plutôt stylé, le petit cœur avec des flammes au-dessus de la tête. Je trouve ça assez comique. Ensuite, vous avez également ce petit emoticon, voilà, qui est juste à côté. Donc, c'est plutôt stylé aussi. Avec le GG, genre, c'est comme si vous avez gagné un truc. Bravo, quoi, bref. La petite aérosol de Monsieur Poiscaille, d'ailleurs, qui a la même image que sur la musique qui est dans la boutique actuellement. Ce qui est assez comique. Le revêtement, je trouve qu'il est stylé. Je l'ai vu à l'animation, parce que là, on voit pas, parce que c'est une photo, logique. L'animation elle est stylée de ce revêtement là, donc je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de monde. En plus, c'est un revêtement qui est gratuit si vous participez. Franchement, il y a vraiment là, faut pas dire les revêtements et les pioches et les danses, c'est ce qu'il y a vraiment bien. Et encore, si on a un skin gratuit comme à Noël, bon là on a pas de skin gratuit, mais c'est normal, c'est pas Noël non plus, faut pas non plus
trop poussé, mais dans les orties, comme on dit. Du coup, vous avez également la petite pioche que vous voyez là à l'écran, qui c'est une double pioche. Voilà, normalement on l'aura gratuite aussi, mais je sais qu'on aura un autre truc pour l'avoir gratuite plus tard, et ça je vous expliquerai plus tard dans notre vidéo sûrement. Mais celle-là, du coup, vous pouvez débloquer ces récompenses-là si votre équipe est du coup vainqueur. Et du coup, voilà, les classements du coup qu'on gagne. Équipe, la première place par région, vous gagnez les 5 récompenses, comme je vous ai dit. Si votre équipe est deuxième, du coup, vous gagnez 4 d'entre elles. Donc peut-être que vous ne gagnerez pas la pioche, par exemple. Vous gagnerez le revêtement, par exemple, parce que je pense que c'est par classement. Si vous êtes, du coup, troisième place, du coup, vous gagnez les 3 récompenses sur les 5. Donc c'est déjà pas mal. Bon, c'est peut-être... Bon, après, c'est aléatoire, je ne sais pas comment ça se passe. Évidemment, si vous gagnez 4e ou 5e, vous avez, du coup, 2 récompenses ou une récompense. Logique. Donc voilà, ce sont, du coup, les récompenses que vous pouvez débloquer par région. Tout dépend de quel pays vous êtes, de France, Belgique. Enfin, je pense que la France et la Belgique sont ensemble, normalement, je suis pas trop sûr de cette information. Mais voilà, vous avez capté, chaque région, vous avez du Canada, ce serait forcément au Canada, bref. Sinon, vous imaginez, ce serait le bordel, sinon. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et moi, personnellement, vous voyez, je l'ai déjà fait. J'ai déjà choisi qui je choisissais. Parce qu'en vrai, disons que je choisis quelqu'un qui rush des filles comme moi. Parce que ça paraît logique pour ma part. Dites-moi en commentaire qui vous allez choisir, si vous aimez, vous le faites. Et sur ce, moi, je vous dis à ce soir. Pour la prochaine vidéo de boutique, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de s'abonner. Et dites-moi si ça vous intéresse ou non. Je mettrai le petit lien dans la description, comme ça vous pourrez le faire vous aussi. Et choisir votre streamer ou votre streameuse. Voilà, que ceux que vous suivez d'habitude. Et tout. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ou à demain surtout. Bye bye.